Coucou tout le monde, aujourd'hui on va recouvrir une boîte de gâteaux d'apéritif pour faire un distributeur de coton. Voilà. Donc, il vous faut donc une boîte de gâteaux d'apéritif. Moi, je les recouvre avec du papier peint. Voilà. Je vais recouvrir avec ça, comme ça. Voilà. Vous, si vous voulez, vous pouvez les peindre en mettant plusieurs couches de peinture. Il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Donc là, je vais vous expliquer comment on fait pour faire l'ouverture. Donc on va faire une ouverture de 7 cm de large, et pour la hauteur ici c'est 2 cm. Alors vous devez vous demander pourquoi j'ai déjà découpé, parce qu'en fait j'ai eu un problème de vidéo. J'avais commencé avec celle-ci, j'ai eu un problème, il a fallu que je recommence. Donc voilà, donc 7 cm de large et 2 cm de haut. Donc après, on prend par exemple le couvercle de la boîte, on s'appuie comme ceci. Avec un stylo, on fait un joli arrondi. Enfin, on essaye de faire un arrondi bien propre. Après, on prend son cutter. Et on découpe. Donc, on commence par le bas. Donc ici, on découpe tout ça. Voilà, on essaye de faire ça le plus droit possible, là le plus arrondi possible. Voilà, et on termine ici. Donc s'il y a des petites imperfections, à ce moment-là, on prend une lime à ongles et on la nettoie, on enlève toutes les petites pluches. Comme ça, je ne vais pas le faire parce que ça fait un bruit extrêmement désagréable. Donc voilà. Donc voilà ma boîte. Elle est où? Donc je vous répète, 7 cm de large et 2 cm de haut. On fait l'arrondi avec le couvercle. Voilà, on découpe et l'ouverture est faite. Donc ensuite, on prend le papier peint. Et on vient le coller tout autour. Donc je le colle et je reviens. Donc voilà, j'ai recouvert ma boîte, mon papier peint. Ensuite, on va ouvrir à nouveau l'ouverture. Donc moi, ce que je fais, bon, bien sûr, si vous la peignez, vous n'avez pas besoin de faire ça. Hein. Donc on la coupe, on coupe un petit peu ici. Et on va faire des petites lanières comme ceci, et on va les rentrer à l'intérieur. Pour que ça fasse un petit peu plus propre. Voilà, hop. Et toutes ces petites lanières, on va les rentrer à l'intérieur. Donc là, je découpe mon bord correctement. Alors moi, je découpe avec ces petits ciseaux, c'est des ciseaux à ongles, parce qu'ils coupent drôlement bien. Et en plus, ils sont courbés. Donc pour faire les arrondis, eh ben, je trouve que c'est super. Donc je coupe bien, voilà. Mes petites lanières sont faites. Maintenant, je vais les coller. Voilà. Voilà. On les remet bien à l'intérieur. Donc là, je vais prendre de la colle chaude,
parce qu'avec la colle toute simple, à moins que peut-être avec la colle scotch, je sais pas, peut-être que ça tient mieux, mais comme il y a un petit peu c'est recouvert d'un peu de fer à l'intérieur, ça prend pas. Donc moi je prends un petit peu de colle chaude, j'en mets un tout petit peu et là ça tient bien. Je mets un petit peu de colle sur les petites languettes. Comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, ça tient super et l'ouverture, elle est nette. Donc je recoupe encore un petit peu là parce que c'est pas bien droit. Voilà. Voilà, ça, la boîte, elle est faite là. Je recollerai après, c'est pas grave. Donc voilà. Donc là, après, il n'y a plus qu'à décorer. Donc je vais reprendre ma boîte que j'avais tout à l'heure. Voilà, donc j'avais décorer tout le tour avec de la dentelle rose avec des petites perles, ça vient de chez AliExpress. J'ai fait le haut et le bas. Ensuite, j'ai mis de la dentelle. Alors, tout autour. Voilà. Et alors, moi, cette dentelle, c'est de la dentelle un peu spéciale, enfin un peu spéciale. C'est ma fille qui connaît une dame qui avait une boutique de robes de mariée. Et en fait, la boutique n'existe plus. Donc, elle avait encore des voiles de mariée et elle nous les a proposées pour que nous, on puisse décorer nos boîtes, faire nos petits travaux de scrap avec. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très, très joli. Hein. Voilà, mais tout ça, c'est des bordures de robes de mariée. Donc moi je les découpe et après je les colle sur mes boîtes. Celle que j'avais fait, la première que j'avais faite, j'avais fait comme ça aussi. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors après moi je l'ai décoré style shabby. Après vous pouvez faire une autre décoration. Hein, ça chacun voit comme il veut faire. Donc on va faire la petite fermeture ici. Voilà. Alors ce que je vais faire de toute façon ici là, je vais mettre un petit galon. Je vais mettre un petit galon dessus rose. Des petits galons comme ça. Moi je les achète chez Sécam. Sécam, c'est une boutique qui vend plein de choses pour les coiffeurs, les esthéticiennes. Ils ont un rayon loisirs créatifs et en fait ils vendent beaucoup de rubans, de petits galons comme ça. Ils vendent aussi des sachets, des sacs pour les commerçants. Et ça vraiment c'est pas cher du tout. Le petit rouleau là moi je le paye 1,50 €, donc vraiment c'est pas cher. Donc je pense que je vais mettre ça tout autour pour cacher un petit peu tout ce qui n'est pas très net, mais je vois que le rose il est trop foncé, donc ouais c'est trop foncé, donc je m'excuse, je reviens, je vais prendre du blanc. Je pense que le blanc ce sera mieux. Oui, le blanc c'est plus joli. Donc je mettrai du blanc et le petit couvercle. Voilà.
Donc pour le petit couvercle, je vais prendre déjà un morceau de papier que je vais mettre à l'intérieur pour camoufler un petit peu le plastique parce que bon, c'est pas joli. Et je vais reprendre du galon et je vais le coller comme ça tout autour. Donc je colle tout ça et je reviens. Donc voilà, j'ai recollé du petit galon tout autour. Là, vous voyez, ça fait quand même plus propre. On voit plus les défauts. Ensuite, le petit couvercle, je l'ai recouvert d'un morceau aussi de tapisserie rose. Voilà. J'ai mis un petit galon tout autour. Là, je vais coller mes petites fleurs. Donc, c'est des petites fleurs que j'achète sur Amazon. Je les aime beaucoup, je les utilise beaucoup. Quand je fais mes boîtes, je les utilise très très souvent. Parce que je les aime beaucoup, elles sont... Je les trouve toutes fines, elles sont toutes en petit tulle, là, j'aime bien. Donc je vais en coller une. Voilà. Je vais en coller aussi une blanche. Là, c'est pareil, hein, maintenant, c'est que de la déco. Alors après, c'est comme chacun le sent. Hein. Toujours avec la colle chaude. Voilà. Ça fait un petit genre de pompon. Et pour que la boîte tienne bien, enfin le petit couvercle, ce que je fais, c'est que je prends un morceau de tulle que j'ai découpé dans mes fleurs. Je mets un petit peu de colle et je vais le coller. C'est à peu près au milieu. Je vais le coller à l'intérieur. Comme ceci, de la boîte. Je l'ai collé à l'intérieur de la boîte, ici. Et je vais le coller dans le petit couvercle. L'autre morceau, je vais le coller ici, dans le couvercle. Comme ça, il sera attaché. Et quand on l'ouvre, pour changer les boîtes de coton, et en fait, le petit couvercle ne tombera pas. Donc, je mets un petit peu de colle. Je le colle si vous ne voyez pas. Voilà. Là, je l'ai collé ici. Sans les fils, c'est mieux. Voilà. Et voilà. Et comme ça, mon petit couvercle, il tient. Et on peut le reposer comme ça. Voilà. Alors après, on peut rajouter... des petites fleurs encore, on peut en mettre ici, on peut en mettre là. L'autre boîte, c'est ce que j'avais fait. Je les avais mis des petites fleurs dans une autre couleur. Je vais en coller une ici. Je vais en coller une autre de l'autre côté. Ben à présent, ma petite boîte est terminée. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Et que Sonia sera contente. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.